Bernard, je vois que vous salivez beaucoup. Oui. Bah, allez-y. Bah, écoutez, passez-moi peut-être une frisée. C'est ce qui me tente le plus, parce que là, les desserts, ça sera pour après. Mais la frisée, je vais essayer. Donc, rappelez un peu ce qu'il y a dans la frisée. Alors, une petite frisée blanche avec des noix de pécan, un petit peu de pignon de pin, raisin sec, bleu d'Auvergne. Ah oui. On peut effectivement voir, je montre quand même à la caméra, les verres, mais je vais goûter. Hein, Manu ne veut pas, il a peur de tenter. Ça va être violent de passer aux insectes après. On va avoir l'aspect un petit peu croquant, comme si c'était des oignons frits à la base. Hein. Ça croque, effectivement. Ça croque. Ah, ici, on goûte bien le roquefort. Hein, un petit bleu d'Auvergne. Un bleu d'Auvergne, pardon. Non, pas du tout. Maintenant, on pourrait mettre ça avec un petit fromage de chèvre de la région. Bien sûr, c'est pour faire une petite salade d'été, tout simplement. Hein. Énormément de salades, on pourrait faire en terrasse avec à la place d'un. Comment de petites choses croquantes qu'on pourrait mettre dans une salade. Mais non, à la place, là, on met des insectes. Quoi. C'est vrai que ça croque. C'est vrai qu'au niveau goût, c'est tout à fait bon. Franchement. Non, c'est léger. Oui, peut-être un peu un goût de noisette, comme ça. Quelque chose comme ça. Mais c'est fort relevé aussi, parce que justement, avec l'accompagnement, je veux dire, ça passe. On n'a pas l'attention sur l'insecte, parce que c'est bien accompagné, en fait. Non, je pourrais vous le faire goûter nature. Vous allez voir, c'est tout à fait différent. Ah oui, j'imagine. J'imagine. Alors, Frédéric Taron, cette fête des courges à Antoine, si on désire venir goûter ces insectes cuisinés, il faut se rendre où? Ah, on n'a pas encore le numéro du stand qu'on va avoir, mais je sais que c'est dans le grand chapiteau principal. Et,